les travaux de rénovation de la villa personnelle de l'ex-président, qui se trouve toujours au palais Mohamed VI, devraient être prochainement finalisés. Située à Kipé, dans la commune de Ratoma, cette résidence pourrait être la future destination de l'ancien locataire de Sékou Touré à renverser le 5 septembre 2021, par les unités d'élite, dirigées par le colonel Mamadi Doumbouya. Deux mois après avoir été renversé par un régime militaire, Alpha Condé vit depuis le 5 septembre sous l'œil aguerri des forces spéciales guinéennes. L'ancien homme fort de Conakry est toujours en résidence surveillée dans une suite du palais Mohamed V de Kaloum, à Conakry. Il n'a accès ni aux médias, ni à ses téléphones. Il se tient informé par l'intermédiaire de son majordome togolais et de son médecin, le docteur Kaba. Pendant ce temps, les travaux de rénovation de sa résidence privée, située dans le quartier UP de Kipé, dans la commune de Ratoma, sont en cours de finalisation. Selon nos informations, cette villa, inoccupée depuis plus de 5 ans, devrait être livrée d'ici à 40 jours. En 2019, Alpha Condé avait lui-même mandaté la société guinéenne Egitrac, dirigée par Maurice Oussou, qui honore donc actuellement ce contrat. L'ameublement et la décoration avaient, eux, été confiés à une entreprise turque. La facture a déjà été entièrement réglée par l'ancien président. Sur de récents clichés du chantier, que Zoom et Focus a pu se procurer, la peinture a d'ores et déjà été appliquée à l'extérieur du bâtiment. Mamadi Doumbouya a-t-il l'intention d'y transférer Alpha Condé? Pour l'instant, rien n'est encore décidé. Alors qu'au lendemain du putsch, les chefs d'État de la Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest réfléchissaient à une issue pour le sortir du pays, ce dernier avait exprimé son désir de rester en Guinée et de s'installer dans cette villa. C'est dans cette même résidence qu'il avait été victime d'une tentative de coup d'État en 2011, seulement quelques mois après son arrivée au pouvoir. Suite à ces événements, qui avaient marqué un tournant dans la présidence Condé, il avait été contraint de déménager à Sékou Touréya. Le palais avait en effet été jugé plus sécurisé. Veuillez vous abonner à votre chaîne YouTube Zoom et Focus, pour être le premier à recevoir nos nouvelles vidéos. Merci.